Le Louvre a sa Joconde. Le musée de Cluny, sa Dame à la licorne. C'est le chef-d'œuvre mystérieux et incontournable de ce musée médiéval situé à Paris. Les visiteurs du monde entier viennent se recueillir sous ces impressionnantes tentures murales de plus de 3 mètres de haut. Déclinée sur 6 tapisseries, cette œuvre d'art majestueuse représenterait les 5 sens. Et l'interprétation d'un 6e sens, celui du cœur, avec la dernière pièce intitulée « Mon seul désir ». Sans signature ni lieu de fabrication connu, la Dame à la licorne a été acquise ici en 1882 et a ensuite subi plus d'une douzaine de restaurations. La Dame à la licorne est arrivée au musée de Cluny avec la partie basse assez endommagée. Et ensuite, le conservateur a souhaité faire retisser les parties basses. Et aujourd'hui, on constate que la partie basse semble plus pâle que le reste du tissage. Et on se demande pourquoi. Donc c'est une question que se posent tous les visiteurs et que nous nous posons nous-mêmes au musée. Ce lundi, le musée est fermé au public et la salle de la Dame à la licorne est réquisitionnée par des chercheuses, spécialistes des matériaux et de la couleur. Elles sont arrivées de Bordeaux avec des appareils de mesure ultra sophistiqués, comme cette caméra hyperspectrale. En mesurant la façon dont les ondes lumineuses sont réfléchies par les fibres de la tapisserie, les scientifiques vont pouvoir dresser une carte d'identité de chaque couleur. Voilà, t'as les deux bandes d'absorption de la cochenille. Donc on éclaire l'œuvre avec des lampes halogènes et puis ça va scanner l'œuvre. Et pour chaque pixel, on va enregistrer un spectre de réflectance. Et c'est ce spectre-là qui va être caractéristique du matériau employé. Donc ça, on va faire ça pour toutes les couleurs. Donc là, c'était du rouge, mais on a aussi du bleu. Il y a 500 ans, puis au fil des différentes restaurations, comment les teinturiers ont-ils coloré les fibres de laine et de soie? Quels colorants ont-ils utilisés? Deux étages plus haut, voici l'atelier de Raphaël Dejean et de ses collègues. Elles ont travaillé sur la Dame à la licorne en 2012. Qu'est-ce qu'on va avoir d'autre ? Les réponses apportées par la recherche pourraient aider les restauratrices. Et puis on a, même si avec l'expérience, on a un œil qui s'est exercé à reconnaître les anciennes restaurations, on ne les identifie pas toujours, on n'arrive pas toujours à bien saisir où est-ce qu'elles commencent, où est-ce qu'elles s'arrêtent. Le fait de pouvoir utiliser de l'imagerie pour les identifier, les repérer, pour nous, c'est quelque chose de très prometteur. Au cœur de notre déontologie, il y a aussi le souci que nos interventions soient réversibles et vieillissent bien, qu'elles n'engendrent pas de dégradation pour l'objet. Et ça aussi, le temps nous dira si on fait les bons choix, qu'est-ce qu'il faut améliorer. Voilà. Dans la salle de l'œuvre, les chercheuses récoltent d'autres données grâce à des techniques d'infrarouge et de rayons X. On est en train de regarder quels éléments chimiques se trouvent dans les zones de restauration de la tapisserie. Sur la mesure qu'on vient d'effectuer, on peut voir ici sur l'appareil une liste d'éléments chimiques qui ont été détectés. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Alain, fer. Soufre. Soufre, on a toujours la même... Oui. C'est la laine. L'enquête se poursuit à Bordeaux. Au laboratoire Archéosciences, nous retrouvons Pauline Kless. Pendant 3 mois, elle a consulté de vieux manuscrits et répertorié des recettes de colorants. Les recettes sont assez larges et c'est un peu à nous de comprendre les différents procédés et le vocabulaire qui est loin d'être quotidien. Exemple avec cette recette de colorant rouge synthétique trouvée dans un ouvrage de 1897. 4% de rouge d'alizarine, de l'acide sulfurique, donc là on a 3%, et du sulfate de soude, on a 20%. Le pourcentage correspond en fait au poids de la fibre qu'on attend. Donc c'est pour ça que c'est important de faire des calculs dans les pesées. Une fois la recette traduite, les ingrédients réunis et leurs proportions identifiées, la reconstitution peut avoir lieu en laboratoire. Pour réaliser ce processus, la teinturière Charlotte Marambert est venue spécialement de Belgique.
Après les jaunes, vous allez lancer quoi? On lance les oranges 2. Spécialisée en teinture naturelle, elle essaie de s'approcher au plus près des protocoles de l'époque, un défi compliqué. On ne peut pas reproduire ni les gestes, ni les couleurs, c'est pas possible, parce qu'on n'a pas les mêmes produits, parce qu'on n'a pas les mêmes caractéristiques d'atelier. Il est très difficile d'imaginer quelle était la qualité de l'eau. On n'est même pas sûr de l'atelier dans lequel a été tissée cette tapisserie. Mais on reproduit avec les mêmes molécules, avec les mêmes composants chimiques qui vont donner des informations qu'ensuite on peut croiser. Après une pesée minutieuse des colorants en poudre, des préparations à différents dosages sont lancées simultanément. Les textiles y sont plongés pendant 40 minutes pour absorber la couleur. La teinturière recommencera l'expérience avec les 50 autres recettes sélectionnées. Prochaine étape, rincer les bandes et les faire sécher. Des jaunes, des rouges, des violets. Ces tissus teints repassent ensuite sous la caméra hyperspectrale. Donc maintenant qu'on a enregistré un spectre par échantillon, on va pouvoir constituer la base de données, ce qui va nous permettre ensuite de comparer ces spectres-là avec ceux obtenus sur la tapisserie de la Dame à la Licorne et de tenter de les identifier. C'est un long travail qui commence. L'objectif est de rassembler tous les tissus teints en un nuancier pour identifier les matériaux de la tapisserie employés à l'origine et dans les nombreuses restaurations. Une mine d'or qui pourra servir pour des milliers d'autres œuvres textiles comme les tapis, les vêtements ou les costumes d'époque. De quoi redécouvrir les bijoux de notre patrimoine sous un nouveau jour.